Allez, on est reparti. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne, qu'on aura fini avec ça. Tant qu'à faire, faisons sauter la bombe. Oh my god. Je vais pas être très très funky là aujourd'hui. Parce que je vais devoir rentrer dans plein de gens, j'ai pas envie de le faire, mais il faut que je le fasse. Ok, donc. Fuck. Écoute. Fuck. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait ça non plus. Je te mets sur pause 2 secondes et je te dis à tout de suite. Bon, alors je commence mon speech là pour faire mon opération en dedans. J'ai pas envie de faire ça. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Peut-être pas. Qu'est-ce que j'en sais? Bref. Je pense à quoi là? J'étais en train de penser à. Oui, au fait que quand j'écris. On s'en fout. Je te mets sur pause, ça t'évite d'avoir. Sauf si tu préfères voir la rédaction. Ouais, attends. Je vais peut-être te laisser regarder la rédaction rapidement du texte. C'est parti.
Manu, j'espère que tu me pardonneras. Oh mon dieu, le souvenir. Oh, vive la vidéo, quoi. Oh putain. Ok. Nathalie. Nathalie. Ok. Le Manu. Attention, battle. Le 2018 avant. Le battle du matin, ok. À ma gauche. Ok. La gassina magarena. Non, even pour ce coup la couena. Prévisible. La gassina magarena. Manu est là. Ouais. Ah mon dieu, ah ouais. C'est le. Ah mon dieu, les souvenirs. Les souvenirs, Manu. Ah ouais, Manu, tu déchires. Mais frère, fucking internet, c'est trop cool. Purée, j'ai appris tellement de choses là, j'ai appris tellement de choses sur moi. Oh, rétrospective de ma vie, je ne savais pas que je disais déjà autant de gros mots avant. J'ai toujours été aussi abrupt en fait. J'ai toujours été aussi désagréable et aussi franc du coup. Dire à un être humain qu'il pense trop, c'est comme dire à toutes les vaches qu'elles produisent trop de lait. Waouh. Ce que je veux dire par là, c'est que on est fait pour penser, tout simplement. Donc, essayer de nous condamner parce qu'on est nous, ça n'a aucun sens. Quand tu dis à quelqu'un... En fait, les gens, quand ils disent à quelqu'un qu'ils pensent trop, c'est « tes pensées ne te mènent pas là où tu veux aller ». Ça ne veut pas dire que tu penses trop, c'est-à-dire que tu penses mal. Waouh. Savourons. Trop souvent... Les gens se rendent compte que la vie est belle quand on leur fait constater que d'autres vivent des situations beaucoup plus difficiles, comme s'il fallait que d'autres souffrent plus pour s'autoriser à apprécier ce qui leur est offert. Et si on appréciait la vie pour ses cadeaux et ses... Je parle trop mal, je la refais. Trop souvent, les gens se rendent compte que la vie est belle quand on leur fait constater que d'autres vivent des situations beaucoup plus difficiles, comme s'il fallait que d'autres souffrent plus pour s'autoriser à apprécier ce qui leur est offert. Et si l'on appréciait la vie pour ses cadeaux et ses leçons, nos trophées et nos cicatrices? Parce qu'on oublie bien trop souvent, et il serait bien qu'on s'en rappelle, que ce ne sont pas les routes, toutes planes qui font les plus belles aventures. Waouh, je me redécouvre là. Devoir de découverte. Le monde est un royaume trop immense, trop riche et trop somptueux pour passer notre vie entière de citoyens et contribuables à nous contenter de nous terrer, heureusement, dans une minuscule chaumière, aussi confortable soit-elle. Oh, oh. Wow. Ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai acquis en venant, c'est ce que j'ai laissé en partant. Dada? Wow. Je ne me rappelais plus que j'avais écrit ça. Dire que le monde est mondialisé, c'est comme dire qu'une boule est ronde. De ce fait, ce n'est pas le fait que le monde soit globalisé qui est étrange, c'est le fait qu'il ait été si peu avant. Oh, mais qui es-tu? Oh! Si vous ne voulez pas vous sentir bête, incompris parfois, faire des choses dignes de sens, faire des choses que vous n'avez pas toujours envie de faire, mais que vous faites quand même, être stressé, être agacé, avoir peur, être euphorique et crier 20 minutes après, vous extasier pour des choses qui sembleraient banales aux yeux de quelqu'un d'autre, ne tombez pas amoureux ou amoureuse. Tout est dit. Waouh, mais dada, mais... Oh ah. Ouh. Full circle. Waouh.
Souvenez-vous-en, la peur non apprivoisée prolifère, telle une bactérie virulente, et ne laisse place qu'à d'autres peurs bien plus destructrices. C'est exactement ce que Jordan Peterson expliquait, et c'est... Mais je ne comprends... Mais comment ça se fait? Je le savais déjà, en fait. Est-ce que c'est juste la façon dont il explique qui me faisait tilter différemment? Je ne sais pas. On nous a appris à parler, on nous a appris à calculer, on nous a appris à mesurer, mais on ne nous a pas appris à vivre, ni à vraiment écouter, ni à croire en nous, ni à s'aimer, ni à aimer, ni à penser. Pourquoi s'étonne-t-on de voir que tant de choses vont mal? Damn! Oh poésie. Dans poésie. Waouh! Ouh! Oh my god. Wow. Oh my god. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Alors, celui-là, il va falloir que je le prononce bien. Ça remonte à 2016 à peu près. Je vous présente nos excuses. Mesdames, je vous présente nos excuses de la part d'hommes qui ne savons comment, de manière élégante, vous démontrer notre affection. Je vous présente nos excuses pour ces regards que vous subissez, parfois à longueur de journée, pour ces remarques répétitives, sans once d'originalité. Des fois, lorsque je nous observe, nous hommes, eh bien, parfois, nous me dégoûte. Quand ce nous fait des réflexions, dignes d'un caniveau près d'une route. De ces discussions de comptoir, comme s'il parlait de bagnole, et encore, pas les plus luxueuses, style Mercedes, mais plus babiole. Nous sommes aveugles. Oui, je pense que nous sommes aveugles, égarés comme de faux détectives à la recherche de vraies preuves. Nous vous condamnons et vous jugeons pour un simple coup d'œil, alors que lorsque nous sommes jugés, nous poussons des coups de gueule. Je vous présente nos excuses, nous qui ne savons trop souvent que crier ou fuir, tel un système binaire et défaillant, ce qui ne peut nous conduire à la rupture ou l'embrasement. Ils ne savent pas comment vous dire et je ne le prétends pas non plus. En être réellement capable. À quel point vous êtes désirable. Que geste de vous peut... Attends, je la reprends. Ils ne savent pas comment vous dire, et je ne prétends pas non plus en être réellement capable. À quel point vous êtes désirable. Qu'un geste de vous peut rendre malade celui qui s'y laisse séduire. Non, vous n'y êtes vraiment pour rien. C'est bien nous, jeunes hommes ou messieurs, qui par un simple automatisme nous faisons tomber amoureux. Réchauffons notre propre flamme quand vous passez devant nos yeux. Non, vous n'y êtes pour rien, je vous le garantis. Donc lorsque vous mettez un frein à un gaillard trop ébloui, sachez-le donc, sachez-le bien, que même s'il reste sur sa faim, vous n'avez pas à être traité comme un vulgaire morceau de pain. Ha ! Waouh ! Retrouvez mes anciens poèmes.